Moi, c'est Nadine et je suis censée avoir passé mon brevet d'assistante sanitaire que j'ai passé, mais j'ai pas eu le diplôme. Donc voilà, mais j'ai pas dit que je l'ai pas eu parce que j'avais quand même envie de partir et d'aller bosser avec eux. Et je leur dis au dernier moment, donc ils sont un peu dans la merde et ils ont pas vraiment le choix. Toi, Nadine, tu récupères toutes les fiches rouges. Par contre, si tu pouvais arrêter avec les, okay. les grelots, parce que vraiment. Ah, désolé. Dis-moi, ton brevet d'assistante sanitaire, je l'ai toujours pas eu. Tu sais que c'est important, j'en ai besoin, c'est la loi. Ouais. Bah, en fait, je l'ai pas. Enfin, le brevet, je l'ai pas eu. Comment ça, tu l'as pas eu toute ma gueule? Non, mais t'inquiète pas, hein, j'ai fait 2 ans de médecine. Ouais, 2 fois la première année. Ouais. Mon personnage, donc, c'est le personnage de Joseph. C'est un animateur. Et c'est le. La bonne humeur. C'est la bonne humeur. C'est lui qui est là pour. C'est l'animateur pur. C'est-à-dire, il est là pour l'animation. Je viens au cinéma, par un film d'horreur, avec ma femme, c'est l'animateur. Et ouais, ta fille, batata, et t'es bien avec moi. Et ouais, ta fille, ouais, ta fille, batata. Gilles, on fait pas chier, merde. Et ouais, ta fille, batata, tout le plus c'est avec moi. Et ouais, ta fille, ouais, ta fille, batata. Excuse-moi. C'est mort. Non, c'est... Oui, il calme les autres parce que lui, il est plus cool, il est plus détendu. Donc forcément, il a plus de recul quand les autres s'emportent. Il est là pour temporer. C'est ça, c'est l'animateur, quoi, vraiment. Et où tu veux en venir exactement, là? Non, mais attends, c'est vrai, quoi. L'année dernière, c'était pareil. On cherchait un peu et on finit par atterrir sur les petits gosses de la DAS. Pour moi, c'est la petite Léa, la petite du foyer carpentier. Putain, mais ça me dégoûte, ça. Tu juges comme ça les gens, toi? Et bah pendant qu'il y est, demande à Joseph de laisser ses empreintes. Attends, on sait jamais, hein. Je les ai laissés à la gare. Moi, alors, je suis très branchée médecine douce, tisane, camomille et tout le tralala. Donc, je m'amuse à changer les dosages des médicaments des enfants. Enfin, je m'amuse. Je change les dosages des médicaments parce que je trouve que c'est vraiment trop lourd. Et je leur donne des plantes calmantes, des petites choses comme ça. Je voulais juste te dire, parce que je sais que t'aimes pas trop quand je fais ça, mais j'ai un peu diminué les doses du petit pyjama. Hein? Non, mais t'inquiète pas, je lui ai fait un mélange à base de camomille et de cerise. Enfin, moi, je pense que ça peut vraiment lui faire du bien, quoi. C'est malin, ça, écoute. Hein. Écoute, c'est pas grave, il tiendra bien une journée, hein. Il a l'air mieux depuis 2-3 jours, non? Ah non, mais génial, il a lâché sa valise, il s'amuse. Ouais, voilà, ça va, c'est pas grave. Il est mignon, ce gamin. Hein. Waouh. Enfin, il y a vraiment des personnages qui sont très très drôles. Plus que chez les adultes. Enfin, les adultes, c'est ils représentent l'autorité, ils ont leurs problèmes entre eux, leurs histoires d'amour, leurs trucs. Mais les enfants sont... Enfin, je trouve que le moteur comique de l'histoire, c'est les enfants, vachement. Moi, si j'avais eu 13 ans, dans cette colo, eh ben, j'aurais bien aimé sortir avec toi. C'est vrai? Ouais. Tu disais pour me faire plaisir. Ah non, je suis très sérieuse. Je le prends pas mal, Nadine, mais moi, je pense pas que j'aurais accepté. C'est assez précis, quoi. Il y a plein de petits trucs ou de colos, comment dire, des scènes où je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'y retrouver. C'est quand même super bien, comment dire, raconté, quoi. C'est bien raconté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce truc-là, quoi. Moi-même, qui n'ai jamais fait de colo, je me suis retrouvé dedans. C'est quand même incroyable. Pensez à moi pour la campagne. T'inquiète pas, mon doudou, j'en ai mis 2 là-bas, dans la réserve. Ah, merci. Je t'adore. Arrête. T'as quoi? Ils sont grands, tout le monde est au courant. Mais même... C'est le soir, là. Oh, mais non, c'est pas le soir. Mais quoi? Mais arrête. Mais alors? Mais arrête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, merde. Moi, je suis super contente parce que sur ce casting est vraiment un casting bien fait parce que c'est pas forcément des gens qu'on connaît. C'est pas ceux qu'on a l'habitude de voir dans tous les films de jeunes à chaque fois. Et c'est des gens qui sont vraiment, vraiment bien, qui n'ont pas fait beaucoup de choses avant au cinéma. Mais c'est vraiment des bons comédiens, des gens qui ont vraiment quelque chose à apporter. On apprend à se connaître là, tu vois, on a une vie sur le plateau, donc côté boulot et en dehors, on se voit, on passe des moments ensemble. C'est assez cool et je pense qu'à la fin du tournage, ça va être comme à la fin d'une colo, je pense. Ça va chialer. On va prendre les adresses et on va s'écrire des cartes et tout, quoi.